ils sont trop kiki. Ils sont trop mignons. Bonjour tout le monde, c'est Nessendil. Bonjour à tous et toutes. On est sur pas du tout Arc Génétique. On est sur Sims Refuge. Il se passe des trucs bizarres dans ma tête des fois. On est sur le Sims Refuge. J'enregistre cet épisode directement après celui d'avant. Je fais pas de pause entre les deux. J'enregistre de suite avec nos familles trop rigolotes de la dernière fois. Aujourd'hui, pas de famille. Je pense qu'on va se contenter de récupérer des chiens. Parce que là, on est donc 5, 6, 7, 8. Ça fait 3 chiens récupérés. Ness, tu comptes super bien. 3 chiens récupérés parce que bah, là, il y a énormément de vos familles qui ont besoin de chiens. Qu'ont envie de chiens, on n'a plus de toutou à part Jerry qu'on garde. Même si à mon avis le dernier épisode on pourra peut-être non on va les laisser, on les laissera. Oui, il va garder son chien Hugo et Hugo que j'ai appelé Arthur tout l'épisode d'avant. Voilà, et vous avez dû encore me le dire, Ness, c'est Hugo et je sais pas pourquoi je l'appelle Arthur en permanence. J'aurais dû t'appeler Arthur. T'as une tête d'Arthur peut-être. Ben j'aurais dû t'appeler Arthur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais pas dû l'appeler Hugo, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, bon bah tout le monde pionce, du coup on va se faire une petite accélération et on va attendre que les chiens arrivent. Salut Hopi, Eurosie, on va y arriver avec les noms, hein. On va y arriver. Bah voilà, on va attendre des toutous pour faire nos adoptions, logiquement ils viennent d'eux-mêmes, puisqu'on est dans un terrain pour les chiens, mais aussi un terrain pour les chats d'ailleurs. Ils vont bien arriver, de toute façon il fait nuit, on va pas aller donc à la plage maintenant. Ah tu fais la vaisselle et tout, c'est bien ça mon gars, c'est bien, c'est bien. Oh ils sont mignons, gros câlin de canapé, oh petit mimi, oui. Attendez, vous allez refaire le parcours d'agility pendant que... On peut faire un parcours d'agility avec un chat. D'accord. Allez, vas-y Jerry. Ah ouais, non, ça s'allume alors qu'il fait jour. J'avais jamais fait gaffe. Ça a pas l'air de... Ah si, ça y est. Ouais, non, bah Jerry, c'est pas son triple agility. Hein. Bah quoi, il a sauté? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il marche pas vite? Oui, bah ça... Non, Jerry, c'est pas son triple agility. Hein. C'est définitif. Ah, ah, ah! Ouf, ouf! Chien! Un chien! Un vieux chien! Adulte, c'est pas un vieux chien. Oui, la plus amicale des présentations. Hop, voici monsieur ménage. Oh là là, mais il y a plein de chats trop mignons. Mais trop mignons. En fait, je pense arrêter la série, puis il y a ce genre de petits chats qui arrivent, de petits ratons laveurs. Oh là là, mais ça donne pas envie d'arrêter. Ça donne pas envie d'arrêter. Oui, il pleut. Alors, attendez. Toi aussi, la plus amicale... Non, toi, on peut lui donner un bain. Ben, il est pas à nous. On va pas lui donner un pain. Bon, c'est bon, tu t'en sors avec Jerry? Non, parce que Jerry, il est nul en agility. Je pense que tu devrais abandonner. Techniquement, tu devrais abandonner l'agility. Ça marche pas. Oh, il a des oreilles, lui. Oh, ben, Isa l'a mis un bonnet. Ah, là, c'est une bonne idée. Ben oui, je me suis toujours pas occupée d'Isa. Ok, ben, Jerry, il s'améliore doucement, hein, bon. Tu continues pas avec lui? Proposer son amitié. Hop. Proposer son amitié. Faire connaissance, j'aurais dû le faire avant. Allez, courage. Il nous faut des chiens. Ouf, ouf. Voilà. Alors, il est actif. Vas-y. Ah. On est passé en moins. On est repassé en plus. Caresser et proposer son amitié. Ensuite, ah oui, il dort. On peut continuer avec celui-là, l'autre dort. Ah, ah, on est ami. Il est où, Bacon? Il est là, parti manger. Adopter. Oui, adopter les chiens. Oui. Oui. Bacon. Pourquoi il est mal à l'aise? Il pleut, je sais pas. Adopter Bacon. Alors ensuite lui, parce que moi là lui j'adore. Oh, il a une tête avec ses oreilles immenses. Oh, mais je suis tellement fan de ce chien. Lâcher. Envoyer le chien à l'extérieur afin qu'il ait le temps pour s'occuper de lui tout seul. Chien indépendant. Oh. Poser son amitié. Vas-y viens sur comment il s'appelle lui, Tom. Adopte Tom. Je veux Tom. Vas-y.
Jouer. Il est où? Oh! Les chatons sont en train de devenir adultes. On va aller regarder ça. J'essaie de me concentrer un peu sur Tom. Félicité. Voilà. Un peu moins vite là. Ça saute très fort là. Proposer son amitié. Hop. Je veux qu'on adopte Tom. Adopte Tom. Vous êtes tout mouillés les gars. Adopte Tom. Ouais, mais il y en a plein des gamins. Allez! Hugo! Vous avez vu, je l'ai appelé Hugo. Hugo! Allez! Oui, après, on va voir pour celui-là. Et les chatons? En fait, c'est toujours un décalage dans les chatons. Parce que là, on en a un qui est devenu grand et toujours pas l'autre. Toujours pas sa sœur, c'est bizarre. Par contre, on n'a pas l'air de réussir à être amis, hein. Il nous aime pas beaucoup. Si? Non. Toujours pas. Faire connaissance. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi? Ah, bah Tara, on peut pas l'adopter, elle est à quelqu'un. Voilà. Oh, putain. Voilà. T'as mon chien-chien. Ah. Jouer sous la pluie, tiens. On regardera à quoi ça ressemble après. Mais pourquoi on peut toujours pas? Bon, donne-lui un bonbon. Féliciter, je sais pas de quoi, mais... Elle est indépendante. C'est une fille, Tom? C'est bizarre comme nom pour une chienne, Tom. C'est un nom de garçon. Mais... Ah, ça y est, Molly a vieilli aussi. Allez vite, qu'on aille voir les filles. Faire un câlin. Allez, procès. Allez quoi, à un moment donné, il va être notre pote ou pas? Il y a des vraiment... Enfin, ça dépend des caractères des animaux, forcément. Parce que... Oh, il fait des beaux jours. Avec certains, ça va super vite. Et avec d'autres, c'est long. Mais c'est long. Mais bon, c'est logique, hein, ils n'ont pas tous le même caractère. Il a même pu... Il a même pu devenir son ami. Faire connaissance. Non, t'en vas pas! Tom! Tom! Tom, on peut t'adopter! T'es bien errant! Mais il est pas errant! Mais il était errant tout à l'heure! En fait, je comprends pas. Donc vous m'avez dit, ouais, il y en a, ils sont errants. Ils étaient pas errants, ils sont devenus errants parce que t'as viré les familles. Soit, mais j'ai pas viré de famille avec des chiens. Sauf la famille d'Ako, mais ça c'était parce que Ako voulait pas... Enfin, je respectais les persos d'Ako, je voulais pas jouer avec les persos d'Ako, puisqu'elle a son legacy. Mais il y a des moments, je vous promets, que l'animal, il est errant, il l'est pas, et il l'est. Je vous promets que sur le même animal, ça bouge. Hein. Je suis pas folle à ce point-là, quand même. Bon, Isa, va chez le coiffeur. Bon, on va aller voir les chatons, puisque les chatons ont bougé. Les chatons sont grands. Oh oui! Oh, t'as une tête maintenant, ma petite Molly? Elle chante. Oh, elle a une tête. Elle ressemble vachement à son papa à part la couleur. Et ah ouais, mais t'es devenue poilue. T'es devenue vachement plus poilue toi maintenant. Et vachement fofolle. Ah, on va écouter la chanson. J'adore. T'es trempé, toi. Avoir un comportement dégoûtant. Enlever les vêtements mouillés. Non, joue sous la pluie d'abord. On va voir ce que c'est, jouer sous la pluie. Jouer sous la pluie. Et moi, Tom, je la voulais, quoi. C'est pas juste. Bon, en fait, je me faisais chier à adopter un chien qui n'est pas adoptable. Je suis sûre qu'à un moment donné, j'ai vu qu'elle l'était. Mais bon, je suis peut-être folle. C'est possible que je sois complètement tarée. Vas-y, tu fais... C'est quoi jouer sous la pluie? Ah, c'est courir dans les flaques. D'accord. Oui, c'est somme toute assez logique. Oh, j'aime la pluie. Ou pas. D'accord. Nettoyer la touffe de poils. Non. Prendre une douche sous la pluie? Ah oui, carrément! Madame, ne venez pas. Madame, ne venez pas. Il est à poil dehors. Ça va pas bien. Oh
mon Dieu. Mais vous êtes pas bien. Oh là là. Regardez les nuages. Ouais. Tu vas t'habiller cool après. Alors toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, t'as envie de faire pipi. Demandez d'aller faire ses besoins. Et de toute façon, on va te mettre la laisse. Parce qu'on va aller te mettre dans ton box. Toujours du mal à la trouver, la laisse. Hein. On va finir par la perdre. Hein. Soin. Mettre la laisse. On va y arriver. C'est vrai qu'il y a des poils partout. C'est Jerry, ça. Bon, la majordome, là. Vous avez pas des poils à ramasser? Il me semble hein, que vous avez des poils à ramasser. Ça y est, il recommence à rien faire. Bonjour, deux petits ratons laveurs. Lui, il est... finir par prendre le raton laveur. Mais il nous faut des chiens. Non, non, recommence pas. S'il te plaît, recommence pas, Hugo. Oui, impeccable, on a réussi. Et donc, allez ici. Avec le chien, forcément, hein. Tu peux le faire? Tu peux le faire? Ouais, vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Et... bah, défaire la laisse. Enlever la laisse. Et donner un bain, parce qu'en général, ils sont crades quand... je sais pas pourquoi, ils sont direct sales à chaque fois qu'on les adopte. Comme ça, tu passes un petit moment avec. Avec Bacon. Oui, un bain, ouais, il y a quand même... Doit pas y avoir quand même beaucoup de chiens qui sautent de joie comme ça quand on leur propose un bain. Je sais pas du tout, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de votre ou vos chiens. Est-ce qu'ils sautent de joie quand vous parlez de prendre un bain? Moi, Sansa, quand elle sait qu'elle va prendre un bain... ah oui, c'est vrai qu'il est parti en vacances. Oui. Elle a pas la tête du chien content, hein, du tout. Hein. Ok. Ah, lui, on l'avait fait adopter, je me rappelle de sa tête bizarre. C'est pas possible. Ou alors c'en est un autre. Gizmo errant. Je confonds avec un autre. Pourtant cette tête. C'est ça aussi qui fait que... ah Piccolo. C'est ça aussi qui fait que j'ai envie de tout doucement d'arrêter le challenge. Parce que y a toutes ces histoires d'animaux errants qui ne devraient pas être errants et tout ça. Et au bout d'un moment, moi je vais m'emmêler les pinceaux. On a tellement, mais tellement d'animaux sur la map. Qu'à un moment donné, on s'y retrouve plus. Enfin, sur les maps, parce qu'on a rempli deux villes. À un moment donné, on s'y retrouve plus du tout. Du tout, du tout. Et il y a des animaux, c'est bizarre. Il y a des animaux, c'est bizarre. Vous avez des bizarres? Comme c'est bizarre. Bon, je suis pas sûre du nom. Mais alors, cette tête, lui, je pense qu'on l'avait déjà. Et... vous voyez que Tom, il est errant maintenant. Vous avez vu? Animal errant. Et les familles que j'installe, je n'y touche plus. J'ai viré. Il y avait eu au tout début la famille test de tir à vue avant de lancer la série. Pour voir comment on faisait, comment ça fonctionnait. Où il y avait Nyx. Donc Nyx s'était retrouvée errante. Là, d'accord. Il y a eu la famille d'Ako. Donc là, d'accord, parce que c'est la famille de son Legacy Challenge. Je voulais qu'on voit sa famille chez elle. Mais c'est tout. Toutes les autres familles que j'ai installées, je n'y touche pas. Donc pourquoi elle passe de errant à pas errant, à errant, à pas errant? C'est, et du coup, ça complique vachement le jeu. Ça, c'est un peu en kiki, non? Voilà. Genre Gizmo, franchement, cette tête, ça me dit trop quelque chose. Et le nom me dit rien. La tête de ce chien, soit c'est une réplique, soit on l'a eu. Et pourquoi il est à nouveau errant dans ce cas-là? C'est voilà, c'est le petit côté qui fait que... voilà, là on commence à avoir beaucoup d'épisodes et ça va commencer à devenir compliqué à force. Ah, petite pause facteur. Oui, on l'adopte Tom, on la veut depuis tout à l'heure. Ok, et donc il nous reste une place. Voilà, il faut le temps que Tom s'affiche. Qu'on va les mettre et laver. On va aller la mettre dans son box et la laver. Alors, oui, donner un bain, oui, clairement. Plus de choix, chouin, mettre la laisse. Walou. Et ensuite, on va voir quel dernier chien on prend. Même si dans les chats, il y en a des choux. En fait, on pourrait faire indéfiniment d'adopter des animaux, mais adopter plusieurs fois les mêmes, ça va commencer à être compliqué. Ok. C'était spécial, ça.
Elle est trop rigolote. Franchement, cette tête, je suis tellement fan de chiens. Oh. Ah, ça va être bien ça pour les animaux. Mais oui, ça va être impeccable la bouffe. Je suppose qu'on peut faire des conneries avec jouer dedans. Ah oh, bah il va être beau notre Arthur. Hugo. Arthur. Erreur. Notre Hugo. Voilà, comme ça ils vont jouer ensemble. Lever la laisse et donner un bain. Parce que là. Donner un bain à Tommy. Tom et Bacon. Ils ont pleuré. Ils sont bien là tous les deux. Ah bah le joujou direct. Le joujou direct. Vas-y. Le bain. Le bain. Allez. Non mais en fait, Hugo, son pseudo internet, c'est Arthur. Hein. C'est le roi Arthur. Donc c'est pour ça que tout le monde l'appelle Arthur. Oh ça va. Hein. Oh ça va. Hein. Voilà, impeccable. Wow. Oh, c'est trop mimi. Oh, là, elle a une tête. Hop, ça a pas l'air d'aller, ma petite bacon. Mon petit bacon, si toi, t'es peut-être un gars. Voilà, un petit câlin. Enfin, un petit brossage qui fait câlin en général en même temps et une petite caresse. Ok, et donc, du coup, il nous reste bien une place. Mais... Oh, t'es Mimi toi qui est en train de jouer avec la balle du chien et qui a quelqu'un. Donc toi, parce que ouais, voilà, toi, on ne t'adopte pas, on t'adoptera quand tu seras à nouveau abandonné. Hein? Et Animal et Ranguismo, ça me perturbe. Ça me perturbe tellement. Tellement. Parce que avec une tête pareille, mais c'est tellement bizarre, quoi. Tellement. Bobo, est-ce que tu as fini de faire des allers-retours dans tous les sens? Bon, les chiens, on en a plein. Donc, on va vraiment partir... Ah, bah voilà, on avait Piccolo aussi. Bah voilà, on va prendre Piccolo, parce que l'autre, je comprends pas. Mettre la laisse. Il n'est pas à nous. Pourquoi on met... On peut lui mettre la laisse et on peut l'enfermer dans le box? C'est concept, ça. mais là, c'est comme si le chien, il était à nous, quoi. Animal errant. D'accord. C'est bizarre. On peut faire plein de trucs comme si le chien était à nous. Et par contre, il a besoin d'un bon bain. Il y a carrément des mouches, quoi, sur le chien. Qu'il y a, Jerry? T'as peur des voitures? Caresser. En fait, ça se comporte comme si le chien était à nous. Il est où? Il est parti? Ah mince. Oula, attendez. C'est qui ça? Mia. Ok. Mia, c'est bon. C'est qui ça? Lola. Et je suis perdue. Je suis complètement perdue. Non, elle, apparemment, on ne l'a jamais rencontrée. Je suis complètement perdue. Mon cerveau va surchauffer et va cramer. C'est obligé. À un moment donné, ça va faire... Il n'y aura plus de Ness. Il n'y aura plus de la Nessie. Oh, beaucoup ce qu'il y a. Proposer son amitié. Ah, vous entendez peut-être les ronrons de Bobo. Caresser. Ah, tant pis pour Piccolo, il avait qu'à pas partir. Hein. On repropose son amitié. Alors... Ah, on est amis. Non, reviens. Reviens. Et c'est tellement difficile de jouer avec Bobo qui me pousse ma souris à adopter. Bon, voilà, bah ça sera elle, hein, du coup. Hop, dernière place. C'est parti. Hop. Allez, oui. Petite Lola. Et bah on refait la même, hein. Bah, vous allez être tous les trois dans le même box. Au pire, on peut même ouvrir et faire un box géant. Je sais pas. Quoique, il y a la place pour trois. Attends, la taille du box. Les animaux au refuge, ils ont pas ça. Hein. Même à 5, ils ont pas ça. Hein, très clairement. Du coup, Lola, où elle est? Elle est rentrée dans la maison, c'est ça? Elle est là. Donc, on va se mettre une petite laisse là-dessus.
Hop, mettre la laisse, puisque là il faut aller lui donner un bain à elle aussi. T'as à manger dans le box, va, t'inquiète pas ma fille. T'inquiète. Papa, tu vas t'entendre ronronner. Allez, petite laisse. Hugo Arthur, s'il vous plaît, merci. Voilà. On l'arrête de suite avant qu'il fasse une boulette. Allez, ici. Bon, du coup, j'aurais dû les mettre dans le grand box, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Je peux toujours les redéménager par la suite. Les copines. Tété, tété. Voilà. Je vous amène une copine. Alors, enlevez la laisse. Et donnez un bain. Donnez un bain à Lola. Voilà. C'était pas la plus crado, c'est pas elle qui avait le plus besoin, mais soit. On n'a pas une place infinie, ce serait tellement bien. On aurait une quantité, il y aurait tout le bas là de chiens et de chats. Ce serait entièrement rempli, ce serait un truc de malade. Oh. Ben oui. Oh. Bon bah voilà, hein. On n'a plus de place, on peut plus adopter. Ah ouais, t'es belle blanche. Ah ouais, non, mais t'es propre, t'es vachement mignonne. Bon, à part cette tête bizarre, là, de race de chien bizarre. Mais sinon, t'es choupette. T'es vraiment choupette. Faire un câlin. Demander d'aller faire ses besoins, hein, vous avez un jardin. Hop, demander d'aller faire ses besoins. Tu pourras la... Il y avait brossé, mais il n'y a plus. Bah, tu le feras un câlin aussi. Hop, il arrête pas de pleuvoir, quoi. Non, bah non, pas lâché. Il arrête pas de pleuvoir. C'est le printemps, c'est la mousson, quoi. On est au printemps et c'est carrément la mousson. Forte pluie, frais. Ah, il est en t-shirt, lui. Et prévision d'aujourd'hui ensoleillée. Ah, à un moment donné, il va faire meilleur. Ok, bah, j'espère. Tendu. Non mais non, recommence pas. Danger de l'inconnu. Non mais recommence pas, c'est ton majordome. Tu t'es jamais présenté à ton majordome? Non. Attendez, mais on a majordome depuis quasiment le début. Il n'a pas pu ne jamais se présenter à son majordome. Topé de la période. Parce que quand même qu'ils s'entendent bien. Insultés. Mais non. Il est de mauvais poil, hein. Ah mais non, mais t'évacues pas le stress. Évacue le stress sur la majordome, quoi. Tu ferais plutôt un câlin au chien. Voilà, fais plutôt un câlin au chien, ça te fera du bien. Moi? Oh non. Moi, ce qui me fait peur avec une vieille majordome comme ça, parce que c'est une personne âgée, c'est qu'un jour, la majordome, elle meurt. Et là, c'est la loose. Oh, elle veut jouer avec sa baballe. Occupe-toi de ton chien, il veut jouer avec sa baballe. Oh la tête. L'amabilité du mec, quoi. Oh, cagou. Oh. Petit jeu. Détends-toi, Hugo. J'allais encore dire Arthur. Détends-toi, Hugo. Oh, mais cette tête pas aimable. Oh la vache, il est insupportable. Allez, allez la petite chanson de la fin. On va voir si c'est amélioré. Je suis sûre qu'il s'est amélioré. Ou pas. Allez, il va faire fuir tous les chiens et tous les chats du quartier. Tout le monde va s'en aller. Tout le monde va fuir sous la chanson d'Arthur. Et moi, je peux pas faire ça avec Ghost. Hein. Ah non, mais il me saute dessus, je suis par terre, quoi. C'est mort, il est trop brut, ce chien. Oh, une crotte, je m'en vais nettoyer. Bah oui, vous êtes là pour ça, madame, hein, techniquement. Je m'excuse pour vous, mais vous êtes un peu là pour ça. Oh, ça y est, chante. Lola, attention à tes oreilles. Attention, Lola, à tes oreilles, ça va piquer. Oh. Je vais pas chanter avec, je suis pas meilleure. Hein. Je suis pas... Ouais, non, fuis. Fuis, ma petite Lola. Il y a du boulot. La la la, c'est le la chanson du yaourt, quoi. La la la. Oh, bah voilà.
Oh là là. C'était la chanson de la fin. On regarde juste vite fait un petit peu tous nos pitchouns. Et on va arrêter là. Oh! Bah oui, alors le fantôme qui a peur, quoi, pauvre petite Kerrigan. Hop. Tu es sûre de vouloir écouter ça? C'est qui c'est, hein? Oh là, c'est la dépression. Ok, je vais essayer de dormir, c'est horrible. Choupette, c'est la dépression aussi. Molly, c'est la... Mais c'est quoi ces chats dépressifs? Ah oui, non, là, c'est... Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Tu es à moitié dans le mur. Mais bon, moi, tu fais des creeps sur l'arbre à chat, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, il s'arrête pas, quoi. Oh, il est à fond, il en peut plus. Ok, sur ces belles paroles, sur cette magnifique chanson, on va arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode prochain, vos familles, on va faire adopter tout ce petit monde. Tout le monde, sauf chéri, bien sûr, qu'on garde. Du coup, je vous fais des boujoux, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas fait, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mais ça m'étonnerait. Et les petits liens sous la vidéo. Bye bye tout le monde. Time flies, close your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.